jasage de jeu de rôle pour le RPG Week numéro 20 sur ces belles routes complètement gelées. C'est des patinoires, c'est dégueulasse. Et la question de la semaine, c'est un choix difficile. Avez-vous déjà subi ou proposé à vos joueurs un choix difficile? J'essaie de m'en rappeler, puis je dirais que... Tabarnak, ça brosse, hein? Je pense que tous mes maîtres, c'était de la merde, parce que je me souviens pas d'avoir eu, en tant que joueur, un choix difficile à faire. Puis, je pense que j'étais un maître de merde, parce que je me souviens pas avoir donné à mes joueurs un choix difficile à faire, tu sais. La seule chose qui se rapproche de ça, c'est que j'avais un orc lutteur chaotique neutre. Puis la mission, c'était de ramasser 6 crânes pour ouvrir un temple, récupérer l'épée des 9 enfers et la détruire, tu sais. Puis le seul choix difficile, c'est que mon orc, lui, étant chaotique neutre, il voulait, quand il allait avoir l'épée, il voulait la détruire. Mais avant, il voulait l'essayer, tu sais, juste l'essayer un peu, voir là, ce que ça fait, tu sais. Finalement, il est mort avant de pouvoir faire son test. Mais c'était peut-être le choix difficile qu'il aurait eu à faire, parce que il l'aurait utilisé avant de la détruire. Puis probablement que tout le groupe, il aurait dit non, essaye pas ça, c'est pas bon. Crime, on la détruit, puis that's all. Fait que c'est de vrai le seul choix difficile que j'ai eu dans ma vie. Puis j'ai pas eu à l'avoir parce qu'on s'est pas rendu jusque-là. Fait que, désolé, c'était pas une vidéo pleine de rebondissements. Il y avait plus de rebondissements dans les rues que dans le texte. Fait que, sur ce, je vous laisse et j'essaie de me rendre vivant à mon travail. Bye!